La Suisse sera le 14e, au 14e Salon international de l'agriculture de Meknès comme hôte d'honneur. C'est pour nous une grande chance et aussi une responsabilité. C'est d'abord une chance de pouvoir montrer que la Suisse est fortement engagée au Maroc. Depuis longtemps déjà, la Suisse qui est un petit pays en termes d'habitants, avec moins de 8 millions d'habitants, nous sommes tout de même parmi les 10 plus grands investisseurs étrangers au Maroc. Maintenant, à travers le Salon de l'agriculture, nous avons aussi la chance de montrer notre engagement dans ce domaine agricole. Et nous avons prévu de montrer notre engagement à travers des thèmes qui sont des thèmes de prédilection de la Suisse et qui sont aussi des thèmes de grand intérêt pour le Maroc, notamment au niveau de l'emploi dans l'agriculture, les technologies, l'innovation et le respect des paysages. Au sein du pavillon suisse, donc, à peu près 440-450 mètres carrés, nous allons retrouver ces solutions concrètes à ces défis. Parce que, je crois, ensemble, la Suisse et le Maroc, nous souhaitons voir un Maroc encore plus efficace et productif au niveau agricole, au Maroc, mais aussi à l'international. Nous nous trouvons aujourd'hui à la résidence de M. l'ambassadeur de Suisse suite à son invitation pour une conférence de presse et pour communiquer avec le grand public sur la présence de la Suisse au sein de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Donc cette présence a été préparée avec munition et nous remercions l'ensemble des personnes qui se sont impliquées avec nous donc pour l'organisation de ce pavillon et du programme, un programme suisse qui est pratiquement important au niveau des conférences qui sont programmées, mais aussi au niveau des délégations que nous attendons, des délégations publiques et privées et avec lesquelles nous allons donc échanger sur l'expérience de nos amis suisses en matière de ruralité, d'emploi, de formation des jeunes, mais aussi en matière d'investissement et en matière d'opportunités de joint venture. Donc un programme où je me félicite de la collaboration et je remercie nos amis suisses de la qualité de leur accompagnement pour cette 14e édition. Et merci.